Bonsoir et bienvenue à tous. Chaque 18 février, nous célébrons la journée du Shahid, une manière pour tous les Algériens de rendre hommage à toutes celles et à tous ceux qui se sont sacrifiés pour que vive l'Algérie libre et indépendante. Une manière de rendre hommage également à celles et à ceux qui se sont mobilisés pour faire face au projet génocidaire du colonialisme français qui avait mobilisé tous les moyens et tous les procédés les plus inhumains pour que les Algériens soient matés, pour que les Algériens soient exterminés et remplacés par une colonie de peuplement. Pour rendre hommage aujourd'hui à toutes les shahidas et à tous les shahids, j'ai le plaisir de recevoir un ancien mujahid, le mujahid Issa Qasmi. Il est auteur également de plusieurs ouvrages sur la guerre de libération nationale, mais également sur la résistance contre le colonialisme français. Monsieur Issa Qasmi, bonsoir et bienvenue dans les dossiers de la mémoire. Bonsoir. Bonsoir, c'est Hassan. C'est Didouche Mourad qui disait « Si nous venions à mourir, on aurait nos mémoires ». N'est-ce pas? Tout à fait, absolument. En tous les cas, c'est pour moi un plaisir de participer à cette émission. Et évidemment, Didouche Mourad, quand on évoque Didouche Mourad, je crois que pour les téléspectateurs qui nous écoutent, notamment les générations, les jeunes, on leur dira deux mots seulement pour dire que Didouche Mourad, beaucoup d'écrivains, d'historiens notamment, l'ont appelé, l'ont qualifié d'âme de la Révolution. L'âme de la Révolution, c'est le ferment de la Révolution. Boudiaf, Ben Boulaïd, Bitat, Krim Kassem, ce sont les organisateurs, mais l'âme, qui est aussi organisateur, mais l'âme de la Révolution, de la lutte de libération, c'est Didouche Mourad, qui est mort à 28 ans. Donc c'est un jeune. En rendant hommage évidemment à Didouche Mourad, on rendra hommage. C'est la journée du martyr, la journée du shahid, qui nous renvoie à février 1947. En définitive, c'est la création de l'organisation l'OSS, spéciale. De l'OSS, l'organisation spéciale, l'organisation secrète aussi. Donc ça nous renvoie loin, mais loin pour certains. Pour nous, en tous les cas, les acteurs de la Révolution, 1947, c'était hier. C'était, en tous les cas, le début. C'est en 47 que la mèche de la Révolution, la bougie a été allumée en 47. Voilà, donc hommage à Didouche Mourad et hommage à tous les martyrs, aux millions de martyrs. Vous faites partie donc des mujahides, des auteurs aujourd'hui donc, qui veulent perpétuer justement cette mémoire pour que le sacrifice de plusieurs générations reste vivace, de ceux qui pensent que dans le projet colonial, il y avait cette idée, il y avait la tentation génocidaire, c'est-à-dire dès 1830 jusqu'à 1962. Évidemment, c'est vrai que, en ce qui me concerne à moi, lorsque je parle de mémoire, c'est évidemment l'histoire. Mais lorsqu'on parle d'histoire, par rapport à la lutte du peuple algérien contre le colonialisme, et ce sont les sacrifices. Les sacrifices. Ce sont les vies humaines. Les vies humaines. Des jeunes Algériens qui ont accepté de bonne foi, accepté consciemment. Et je dirais même sciemment. Ils savaient quels sont les sacrifices qu'il fallait faire pour arracher l'indépendance, pour vaincre le colonialisme. Ce colonialisme, en effet, tu viens de le dire, c'est Hassan, tu viens de parler, d'utiliser le mot « extermination ». Ce ne sont pas nous, nos historiens, nous, qui l'utilisent.
ce sont les auteurs du génocide, du massacre, des massacres, qui le disent. Qui le revendiquent. Qui le revendiquent. Oui. Et qui l'ont écrit dans leur témoignage, et en retournant jusqu'à... Si le téléspectateur veut bien retenir, on retourne jusqu'à Bugeaud. Oui. Jusqu'à Bugeaud, Cavaignac, Pélissier. Saint-Arnaud, oui, oui. Notamment, Pélissier, tous les autres. Et tous les autres, Trézel et Randon, qui ont écrit sur leur campagne d'Algérie avec l'armée d'Afrique. Ils ont commis des génocides. Parce que dans leur intention, ils n'ont pas tenté. Ils l'ont appliqué, le principe qui voulait qu'il fallait se débarrasser de toute la population autochtone, la population qu'ils appelaient indigène, pour laisser libre à l'application de leur plan de peuplement qui faisait de l'Algérie une colonie spéciale, particulière, qui ne ressemblait à aucune autre des autres colonies d'Afrique, parce qu'on l'a transformée à partir de 1848 en trois départements intégrés organiquement au territoire français. Donc, quand on parle, on disait « nous sommes une colonie », on nous répondait que vous n'êtes pas une colonie. Vous êtes trois départements français. Donc l'opération d'extermination a commencé dès le 14 juin 1830 jusqu'à, en tous les cas, jusqu'à 1875. Et durant cette période, ce sont quoi? Ce sont les massacres, génocides, et on se rappelle de certaines... De certains procédés, de certaines images. Ouais. Lorsque le général De Rovigo, ouais, par exemple, ouais, à titre d'exemple, De Rovigo, il vient dans la Casbah, il trouve Jamak Chawa. Ouais. Jamak Chawa, qui est un site historique, un site merveilleux de culture, de religion. Il réquisitionne Jamak Chawa pour en faire une caserne, un lieu. Ce n'est qu'après qu'elle a été transformée en... église ou cathédrale, église Sainte-Philippe. Les populations de la Casbah se sont opposées vigoureusement. Qu'est-ce qui a été fait? De Rovigo ordonne à ce qu'on massacre toute cette population. C'est 4000 morts. Ouais. 4000 morts en quelques heures. Cela veut dire que cette opération du génocide a continué juste après 31. Yaoufia, Al-Harraj, et puis partant vous. Donc, durant cette période, parce que la mémoire, il faut la remuer, ouais, mais il faut l'entretenir. Exactement. Il faut la transmettre. Ouais. Il faut la perpétuer. Lorsqu'on parle de chiffres, des victimes, des shahid, des shuhada, ouais, qu'est-ce qu'on dit? Hamdan Khouja, Hamdan Khouja, en 1833, qui a écrit, oui, c'était le seul le miroir, oui, intellectuel, oui, oui, qui avait fait cette publication, qui est une publication rare, en tous les cas, écrite en français. Donc il disait que le nombre d'habitants du territoire algérien était de 10 millions. 10 millions. Seul Bugeaud, a reconnu dans ses écrits qu'il y avait 8 millions. Mais tous les autres diminuaient le chiffre exprès, réduisaient le chiffre exprès pour atténuer leur responsabilité dans ces massacres. 10 millions. Et en 1872-73, juste après l'insurrection de Moukrani, on se retrouve avec près de 2 millions d'habitants recensés. Cela veut dire que ces 8 millions, ils sont passés où? Parce que lorsqu'on parle d'hommage aux martyrs, nous citons des chiffres. Bien sûr. Des chiffres. Et à partir de 1875, les Français, le colonialisme français, pensait qu'il avait mis les pieds
et qu'il s'est étendu, alors rappelons-le, je vais terminer sur ça, rappelons-le que l'extension du colonialisme n'est arrivée à Tindouf qu'en 1934. Mmh. Cela veut dire après la commémoration du centenaire, de la colonisation. Donc, toute cette résistance sur tout le territoire algérien, à l'est, à l'ouest, au centre, jusqu'à Ouargla, jusqu'à Rouate, tu avais fait une émission sur Rouate. Un génocide. 12 000 morts, et c'est la première fois où ils ont utilisé le gaz où des centaines de personnes ont été gazées, asphyxiées évidemment par ces gaz. Donc, rendre hommage à tous ces martyrs, et on reparlera tout à l'heure, parce que le martyr a continué jusqu'à la Révolution, et à la Révolution, c'est alors là où ils ont pensé que durant la Révolution, ils pouvaient réussir l'opération d'extermination qu'ils n'ont pas réussi avant 1954. Justement, après 1954, nous savons que l'administration coloniale française avait mobilisé tous les moyens humains, mais aussi matériels, pour venir à bout à la détermination et au courage de ces Algériennes et de ces Algériens qui se sont mobilisés pour l'indépendance totale de l'Algérie. Qu'en est-il donc de ces moyens mobilisés pour venir à bout d'un peuple ? C'est que là, il est difficile de parler de ce paradoxe dans la pensée des colonisateurs. Parce que les colonisateurs, il faut le dire, pour nous, les colonisateurs, en 1954, en tous les cas, bien avant, mais en 1954, il avait, jusqu'à 62, il avait perdu la raison. Il avait perdu la raison et la logique, évidemment, la justice, la liberté, tout cela, c'était pas son credo, c'était pas son souci. Donc, 1954, par rapport à la France, par rapport à Mitterrand, à Mendès France, ils se sont débarrassés de l'autonomie, du protectorat. Ils passent donc à une sorte d'indépendance bien ficelée, et pour rassembler toutes leurs forces pour mater la rébellion en Algérie. En se disant, les moyens d'information, les médias français, les colons surtout, le peuple algérien est avec nous. Ah, le peuple algérien est avec nous, on va essayer quelques réformes et nous allons contenter tout le monde, et la rébellion, c'est quelques groupes, une poignée d'hommes, Alain de Sérigné dans l'école d'Alger. Une poignée d'hommes, cela veut dire quelques policiers. Mais à partir de 1954, ils étaient affolés. Quand en Kabylie, dans les Aurès, les premiers maquisards, les moudjahidines, les héros de l'ALN ont commencé la bataille, ils étaient affolés. Comment faire? Donc, ils ont commencé à mobiliser tout le monde à partir de 1955, au printemps 1955, ils font appel aux appelés, aux rappelés. Et ensuite, c'est devenu, à 1956, on avait 400 000 soldats français déjà. Un chiffre qui va atteindre le million. Donc qui va atteindre. Un million et demi, pratiquement. Presque un million et demi, en comptant les supplétifs, les forces auxiliaires, supplétifs, oui. Et tout cela. Oui. Donc ils étaient enragés, d'abord parce qu'ils étaient surpris, mais le paradoxe, je voulais souligner, mais qui est connu des historiens, le paradoxe que toutes les déclarations des hommes politiques français, des militaires, disaient que, d'abord ils traitaient les moudjahidines de rebelles, dans la loi, et il les traitait avec haine,
avec racisme. Il les traitait de... De Gaulle utilisait la fameuse expression « les malheureux analphabètes oui, ». Oui. Les malheureux analphabètes, les misérables analphabètes. C'est comme ça qu'il les traitait. Mais d'un autre côté, ce paradoxe, on mobilisait 400 000 soldats. 400 000 soldats, ce sont des hommes. Mais toute cette armada d'armement qui a été mobilisée. Les chars, l'aviation, les hélicoptères, les. Absolument, les chars blindés, tout cela, l'artillerie, l'aviation, oui. Les généraux qui revenaient du Vietnam, oui. Les généraux. C'est plus d'une centaine de généraux qui sont passés, généraux, colonels, qui sont sortis des hautes écoles, et en face d'eux, ils avaient six responsables, six jeunes. N'oublions pas, Ledouche Mourad avait 27 ans. 27 ans, et tous les autres, Ben Bouled était le plus vieux, il avait 34 ans. Donc tout cela pour mater une poignée d'eux. Mais ils savaient, dans le fond, que l'Algérie était déjà perdue. Parce que ils savaient aussi que les nationalistes sont convaincus que dorénavant, le colonialisme n'écoutait pas, n'entendait pas, ne savait pas entendre la voix de la liberté. Ouais. Parce que de 1920 jusqu'à 1954, les hommes politiques algériens, de l'Imir Khaled, Ben Frahat, Ben Sebem Bedis, et à tous les autres, mais Sali, oui. Évidemment, ont clamé leur désir de liberté, mais le colonialisme n'a pas voulu répondre. Parce qu'il avait répondu aux appels de l'Imir Khaled, de ces hommes politiques, qui étaient de bonne foi. S'ils avaient répondu à leurs appels, on ne serait pas arrivé à 1,5 million de morts, de sacrifiés. Chez nous, évidemment, ce sont des martyrs, des combattants, mais aussi de leur côté. Ils n'auraient pas perdu 30, 40 000 soldats français en Algérie, on aurait gagné. Mais le colonialisme avait lâché l'ensemble à la faveur de la révolution algérienne, il faut le souligner aussi. L'ensemble de ces colonies. De ces colonies pour garder. Pour se concentrer sur. Se concentrer sur l'Algérie. C'est ce qu'ils appellent la prunelle de leurs yeux, c'est l'Algérie. Alors, à cause des colons. À cause des colons, exactement. À cause du lobby des colons. Des colons. Alors, pour maintenir, pour lutter contre cette détermination des Algériens, il va y avoir des procédés inhumains qui seront utilisés et des procédés pour frapper les esprits. Donc, vous avez travaillé beaucoup sur la torture, vous avez également été dans les maquis, vous avez vu comment on humilie même les cadavres des Chouhada, aucun respect pour ces martyrs qu'on exposait comme sur les places publiques, souvent pour frapper les esprits. On reste d'abord donc un exemple sur ces moudjahidines qu'on exhibait comme un trophée de guerre. D'ailleurs, Didouche Mourad fait partie le 18 janvier 1955 lorsqu'il a oui. été tué au champ d'honneur et tombe au champ d'honneur. Les armes à la main, oui. Il a été avec ses compagnons exposé donc sur tout la place. Public. Oui. Tout à fait. Et je crois que les images qui montrent la sauvagerie, qui montrent les atrocités commises par les forces de l'armée française, par la police française, par tous les supplétifs de tous bords. On dit supplétifs, ouais. Ce sont une dizaine de catégories. Ouais, exactement. De valets, surtout de personnes qui ont vendu leur âme au diable, qui se sont retournées en quelque sorte contre leur peuple, tous ces supplétifs et l'armée française, la police, si on revisite ces images, on se remémore ces images, moi la seule conclusion que je tire est que depuis le 14 juin 1830, je reviens toujours à cette date bien sûr. Maudite, parce que c'est de cette date que sont nés
tous les autres problèmes qu'a vécu le peuple algérien dans sa confrontation implacable, ininterrompue avec le colonialisme français. Et en remontant à cette date et en relisant tous les écrits de ces colonisateurs, nous ne trouvons aucune expression, aucun qualificatif qui montre que l'Algérien, d'abord il n'a jamais été Algérien, il n'a jamais été considéré comme étant un Algérien. Il était considéré comme un sous-homme, donc c'était le code de l'indigène, le infâme de l'indigène. Bravo, absolument, c'est là où je voulais en venir. Il a été considéré comme un sous-humain, comme un rien. Comme un esclave, donc. On l'appelait, c'est l'esclave. C'est la chair à canon, donc il a été... Absolument, donc voilà. Tous ces qualificatifs... À partir du moment où on ne considère pas quelqu'un comme étant un homme, à ce moment-là, on le considère comme un animal. Ouais. Dès qu'on le considère comme un, justement parce qu'on l'a toujours considéré comme un sous-humain, comme un esclave, comme un sujet, ouais. un sujet ouais. Parfois on disait un Nord-Africain, parfois on disait un Français musulman, parfois on disait l'indigène, et d'autres sobriquets, évidemment, ouais. Qu'on ne peut même pas utiliser, des chiens, des halloufs, des flouzes et tout ça, Donc, à partir de là, toutes les atrocités, tous les traitements qui ont été réservés aux militants du FLN, aux membres de l'ALN, par les parachutistes, par les militaires français, ça démontre qu'ils n'ont jamais une considération pour cet Algérien qui combat, qui lutte pour sa liberté comme étant un humain. Donc, évidemment, ces images me reviennent comme ça. Des hommes, les combattants ont été jetés des hélicoptères. Oui. Des combattants sont morts sous la torture, évidemment. Et quelle torture ? Quelle torture, oui. J'ai recensé plus de 50 procédés de torture. Et lorsque nous revoyons actuellement, jusqu'à maintenant, nous revoyons certaines images de torture, celui-là auquel on met la GGN, l'électricité, et et puis tous ces procédés, c'est pas la peine brûler que je dise. Au chalumeau, il y a des... Au chalumeau, le rabot, je vais pas citer tous ces procédés, ils sont connus. Cela veut dire que cet Algérien, il faut semer la terreur, la terre brûlée. Des maquisards ont été découpés, des bébés, ont été, oui. Il faut le dire. Des bébés ont été sortis du ventre de leur mère et ont s'amusé avec, ouais. Comme si c'était un ballon. Des harkis participaient à ces opérations. Et puis, en 1956, il y a c'est la guillotine qui entre en action. Donc, voilà donc une machine infernale pour également marquer les esprits. Il fallait tuer pour l'exemple. On assassinait, la France assassinait des Algériens pour l'exemple. Absolument. Pour semer la terreur. Donc, absolument. Et ce martyr de Zabana qui a marqué, donc, qui a ouvert le bal de cette terrible machine infernale. Mais je crois que, si tu veux bien, en parlant de Zabana, oui. Deux choses. La première chose est que Zabana, évidemment, a participé aux premières actions du 1er novembre, exactement. À Kassène, à Sidi Ali, où Zabana était un membre de l'OS. Oui. Donc c'était un homme d'action, de combat, un vrai nationaliste, pur et dur. La première chose. La deuxième chose est que, puisque pour revenir ensuite vers ce sacrifice, beaucoup d'écrivains, beaucoup de nationalistes, même parmi ceux qui ont été les acteurs de la Révolution, dans leurs témoignages, on disait que le combat, c'est le sacrifice. C'est deux choses. Ou la mort,
Ou la victoire. Ou la victoire. Ou la victoire ou la mort. Ouais. Donc, il retrouve la mort, il est heureux. Parce que c'est son but. Heureux. Lorsque on revoit l'image de Zabana, de Zahan Ahmed Zabana, qui marchait vers la guillotine, et on relit la lettre qu'il avait envoyée à sa mère, à ses parents, et on revoit certains témoignages par rapport au procureur qui était présent, par rapport à ses bourreaux qui tremblaient. Et lui marchait fièrement, défiant défiant la guillotine, en lui disant « j'ai pas peur, la akhsh al hadid, je n'ai pas peur de la guillotine, parce que je sais que je vais me sacrifier pour mon pays ». Et c'est le commun de tous les guillotinés, on donne un chiffre, il faut le donner, c'était 3 000 condamnés à mort. Oui. Durant la Révolution. Oui. Les condamnés à mort d'avant la Révolution, on n'en parle pas. Oui. C'est des milliers et des milliers. Et 222 ont été passés à la guillotine. Donc le colonialisme français, malgré tous ces sacrifices, dans les maquis, dans les camps de concentration, dans les centres de torture, les femmes, les bébés, comme les enfants. Voilà, dans l'un de vos livres, vous avez donc énuméré, vous avez rendu hommage à près de 300 shahids. Il y a j'aimerais revenir sur un cas particulier. Donc, c'est l'ultime sacrifice d'une femme qui était enceinte, pratiquement à terme, et qui sera brûlée vive. Fatima Debbouze de Toudja. Est-ce que vous pouvez revenir également sur le sacrifice? Je vais revenir parce que, de toute façon, l'image d'une femme. C'est un exemple parmi tant d'autres. C'est un exemple qu'il faut multiplier par. Celle-là, c'est parce que son cas a été médiatisé, si on veut dire, a été écrit. Moi, je suis de Toudja, donc je suis du village, je connais sa famille, son père, son mari, qui était Moudjahed. Donc cette jeune dame, qui avait 18 ans, à peine, elle était enceinte de 8 mois. Ça s'est passé le 26 mars 1956. Donc c'est au début de la Révolution. Début, en tous les cas, des grandes opérations. Son mari était au maquis, avec deux ou trois cousins, ils étaient déjà au maquis, et le lieutenant de la caserne Toudja, c'est... Marcel Sansuc. S-A-N-S-I-C, sans sucre, un criminel. Donc il était à la recherche d'informations sur son mari pour essayer de lui mettre la main dessus, si on veut dire. Et il venait tout le temps dans le village qui était à 1,5 km de la caserne, village de Boubarka, son village d'origine. Et donc il bouscule la porte, comme d'habitude, il trouve Fatima dans la cour. Donc elle savait à qui, c'était pas la première fois que lui. Il lui pose la question en lui disant, « Ah, tu es là? Où est ton mari ?» C'est une question qu'il lui a déjà posée, plusieurs fois. Exaspérée, énervée, mais courageuse, défiant cet officier qui était lieutenant, le défiant, elle lui dit mon mari. Elle fait le geste, Ergazio, Afegljibio. Mon mari est là, il est dans ma poche, tiens. Dans ma poche. Pour le défier, donc c'est considéré comme étant un acte par rapport au lieutenant, de mépris, en quelque sorte. Et voilà que le lieutenant, il appelle son assistant, avec un bidon d'essence, donc il était prêt. Donc c'est un crime prémédité, bien pensé,
bien à l'avance, il savait ce qu'il allait faire. Donc il lui met le bidon d'essence et une boîte d'allumettes, il l'allume, elle devient comme une torche. Une torche vivante. Une torche vivante avec le bébé. De 8 mois, donc. Voilà. Ensuite, son père de l'autre côté à court, on le tue, un autre cousin à court, on le tue, et c'est parti. Et le soir, l'armée française vient en renfort, il bombarde le village, et il encercle, et ils mettent le feu. Et tout ce village, c'est 14 personnes, hommes, femmes et enfants, qui ont été asphyxiés par les feux. Et village encerclé, et toutes les personnes qui ont essayé de sortir de l'embrasement ont été tuées. Donc, cette image-là, il faut la multiplier dans les Aurès, en Kabylie, exactement, dans l'Ouarsenis, le Constantinois. Et puis, il y a également l'assassinat des responsables. Vous avez évoqué tout à l'heure, donc, on ciblait notamment ceux qui ont déclenché la révolution. Le martyr de Benmehdi, il est également particulier en 1957. Le martyr de Benmehdi. Qu'on a maquillé pendant des années. Absolument. Oui. Le martyr de Benmehdi aussi, qui est multiplié par. Oui, exactement, exactement. Mais le martyr de Benmehdi, celui de Ali Boumendjel. D'Ali Boumendjel. Exactement, c'est pratiquement le même procédé. Du moins, c'est les mêmes personnes. C'est les mêmes personnes. Qui, absolument. C'est les mêmes responsables. C'est le lieutenant Charbonnier, et puis ensuite, Osares et compagnie de toute. Donc, Benmehdi, c'est le stratège de la révolution. C'est le stratège de la révolution. C'est le sage de la révolution. D'ailleurs, je me rappelle une image, quand il est venu de l'Oranie pour assister au congrès de la Soumam, quand, comment il s'appelle, Ramdan, Abban Ramdan, ouais, lui a dit, mais nous d'Alger, on est venus par la montagne, par Sharia, Zbarbar et tout ça. Ouais. Et comment tu as fait pour nous rejoindre? Il a dit, j'ai pris le train. Regardez le courage, ouais, ouais. Le courage, quelqu'un qui croit, qui avait foi en la révolution, vient par le train, ouais. Donc, jusqu'à. Bon, mais son sacrifice, cela veut dire que même Benmehdi, il savait que ses bourreaux, les tronçonneurs, et puis tout le monde, jusqu'à la hiérarchie, jusqu'aux hommes politiques, bien sûr. Il savait qui était Benmehdi. Il savait comment les Français admiraient Jean Moulin. Jean Moulin, le cerveau de la résistance française. Ouais. Il l'admirait. Mais pour eux, le rebelle est un rebelle, est un sujet. Donc Benmehdi. Ces bourreaux ont reconnu Bijar. Bijar et tous les autres ont reconnu que Benmehdi était un homme politique, était de culture, de sagesse aussi. Un charismatique, un homme. Charismatique. Un chef. Et un vrai chef. Oui. Malgré cela, on réussit à l'assassiner. À l'assassiner et à mentir lâchement, si on veut dire que parce que si lorsqu'on commet un tel acte, il savait qu'il allait faire histoire, mais on ment. On dit que Benmehdi s'est suicidé avec sa chemise, avec les lombeaux de sa chemise. C'est-à-dire un mensonge qui ne passe pas. Ouais. Et comme on avait dit, qu'Ali Boumendjel, c'était on l'a défenestré et on soi-disant, c'était sauté de la fenêtre. Moi, j'allais dire, c'est Hassan que j'ai eu la chance. Ouais. La chance. Celui qui nous écoute, qui nous regarde, va se dire comment il a eu la chance. J'ai eu la chance d'avoir été détenu pendant 3 mois
dans le même centre de triage d'Elbiar, 94 avenue Clémenceau, avenue Anikhouja actuellement. Oui. J'ai passé 3 mois là où Abou Mendjel a été assassiné. Assassiné, oui. Et où a été assassiné aussi Audin, Maurice Audin. Maurice Audin, c'est en l'espace de, trois mois. C'était la même période. C'est la même période, c'est 57, ouais. Donc mois de mars jusqu'au mois d'août. Et Henri Alleg est passé par là. Ouais. Donc Ben Mehdi, c'était dans leur intention pour tuer la révolution. Ouais. C'est pas tuer un homme. Ils savaient que en tuant Ben Mehdi, tue la révolution. Mais ils se trompaient. Voilà, je voulais te, je voulais juste puisque tu as parlé tout à l'heure de Didouche Mourad. Didouche Mourad, vraiment, quand on pense à Didouche Mourad, on a envie vraiment. Didouche Mourad est mort le 18 janvier, tu l'as rappelé tout à l'heure, 1955. Donc, parmi les 22, parmi les 6, d'abord c'est le premier, parmi les 22, c'est le deuxième après Ben Abdelmalek Ramdan. Ramdan, exactement. C'était le premier shahid, Ben Abdelmalek. Le 4 novembre, lui, et puis le 18. Le 18 janvier 55, le lendemain de la mort au combat de Didouche Mourad, sort de prison à Ben Ramdan. Pour faire la liaison avec Ben Mehdi. Un shahid meurt, et un autre homme prend son arme et continue le combat le plus bel. Ouais. Donc, les Français, moi, lorsque j'ai été libéré de ce centre de détention d'Elbiar, c'était le 29 mars 1959. Le lieutenant Charbonnier qui était le responsable de notre détention est venu le matin avec le journal, les deux corps de Samir Roche et de Silhouès, dans le journal, les cours d'Alger. Ouais. Ils étaient là, il m'a dit aujourd'hui on vous libère. J'ai dit qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il me dit parce que votre révolution s'arrête, il n'y a plus rien. Les deux colonels, commandants de la Wilaya 3 et de la Wilaya 6, voilà, on les a abattus. Donc, vous pouvez partir, on n'a plus besoin de vous. Et c'est l'erreur, c'est l'erreur des stratèges français, parce qu'ils n'ont pas compris que cette révolution était portée par tout un peuple. Donc le 11 décembre 60 va, et l'exemple le plus éloquent pour démontrer l'engagement du peuple. Donc je vous propose de suivre ce témoignage, donc sur le martyr Boualem Rouchaï, c'est lui qui a fait le lien entre l'ALN et le peuple algérien pour orienter, pour organiser ces manifestations du 11 décembre 1960 à Alger et un peu partout dans toutes les grandes villes algériennes. Et on revient juste après. Le capitaine Zoubir, والمظاهرة كانت ما زالت سائرة لأنه هو كان يقود كمسؤول المظاهرة واستشهد باللباس العسكري في وسط العاصمة. على الزوج و40 دقيقة طلعت نحوس لقيت رشايب وعلام رحمه الله هذا كل ما كانش وتلهوت في واحد جبت لهم حياك وزوار تلهوت فيهم ميت رحمه الله سي محمد مخالفه من هو قاعد في الفوق قاعد طراش برك هكذا يا نتاع دم هنا في وجهه طراش رهيب هو ميت رحمه الله مشيت لقيت لهم موتى حوست على الليميترايات على اللي كرونات ترك الشدات تقطق زقعرت طاح كلش لدحر
C'est donc un témoignage, des témoignages sur le martyr Boualem Rochaï Boualem, qui a participé donc en tant que responsable de l'ALN à ces manifestations du 11 décembre. On a dit qu'ils ont montré l'adhésion totale du peuple algérien à la démarche du Front de Libération Nationale. Absolument. Bon, par rapport, disons que le 11 décembre, donc c'est une étape. C'est une étape. Une étape qui a été précédée par d'autres étapes du même poids. La même épaisseur de la révolutionnaire. Évidemment, Rochaï Boualem, il faut le dire, recevait des ordres. Bien sûr. Donc, recevait des ordres de l'état-major de la Wilayat, Mohamed Bourouaghia, commandant Bourouaghia, qui était. Donc, il recevait des ordres de l'ALN. Cela veut dire quoi? Que la population était de mèche avec l'ALN, soutenait l'ALN, obéissait aux ordres de l'ALN pour démentir la propagande française. Pacification, 1960, de Gaulle disait pacification, la France, le peuple algérien est avec nous, encore. Malgré que de Gaulle avait la conviction que c'était foutu pour le colonialisme. Donc, la première chose, c'est la relation entre le peuple qui obéissait à son armée de libération nationale, donc il y a une relation. Boualem Rochaï a été envoyé justement pour. Il n'était pas seul. Bien sûr, pour organiser ces manifestations. Mais il faut dire que les manifestations de 1960 étaient la preuve indéniable, irréfutable. Ou si tu veux, les juristes disent irréfragable. On ne peut pas nier que le peuple algérien était avec son armée de libération nationale. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose est que le peuple algérien, lorsqu'il s'est rendu compte que la propagande française risquait d'avoir une influence sur une partie de la population, lorsque les négociations secrètes et tout cela, car c'est le moment de taper fort, de mettre les pieds dans l'étrier et de peser de tout son poids pour que le peuple dise à la France, à l'opinion française, à l'opinion algérienne, aux colons, aux quelques Algériens qui hésitaient encore, qui savaient tenir la canne, la safrost, en attendant de voir plus clair. Aussi à l'opinion internationale, parce que c'était au moment où l'Assemblée générale des Nations unies se tenait. Donc, cette manifestation avait eu pour résultat, ne pas dire, c'est des centaines de morts aussi. Des centaines de morts, des centaines de blessés, des enfants, des femmes qui ont participé. Donc, elle a mis un terme à la propagande colonialiste de l'armée française qui disait que le peuple était avec nous. Donc le peuple s'est déterminé une fois pour toutes et on l'a écouté de partout et à l'ONU, on l'a écouté du fait que le 20 décembre, c'est la résolution, fameuse résolution où le droit du peuple algérien à l'autodétermination a été reconnu et Krim Belkacem avait dit à ce moment-là que les clameurs de Belcourt ont eu leur écho au palais à Manhattan. Donc, mais il faut dire que le 20 décembre n'est pas le seul épisode où le peuple s'est exprimé. Il y avait la grève des 8 jours également. La grève des 8 jours. Il y a eu août 55, donc l'offensive de août 55, tu as très bien fait de nous le rappeler. Absolument. Donc il y avait des étapes comme ça qui ont marqué donc cette glorieuse guerre de libération. Et la dernière étape, c'est Hassan, en deux mots, la dernière
Lorsqu'on s'est rendu compte qu'aux négociations d'Évian, qui était entré plutôt dans le vif du sujet, et tout le monde s'attendait à une conclusion positive, les négociateurs français reposaient encore une fois le problème du Sahara. Comme quoi, l'indépendance du Nord, oui. Le charrette. Parce que dans l'esprit des Français, vous voulez jusqu'à la partition. Le Sahara, depuis longtemps, le Sahara, du pétrole, du gaz, le Sahara nous appartient. Vous parlez du Sahara, justement. Donc, ouais. Parmi les crimes coloniaux, qui a provoqué des milliers de shahids, ce sont ces essais nucléaires qui ont, donc, vers la fin de la guerre de libération, qui ont également, voilà. Avec les mines antipersonnelles placées tout au long des deux lignes électrifiées, Maurice et Charles. Évidemment, c'est lié. Oui. C'est lié. Exactement. Hein. C'est lié. Moi, je voulais terminer pour parler de la manifestation ultime, oui. Du 27 février 1962, oui. À Ouargla. À Ouargla, oui. Où il y a eu 6 morts. Oui. Et tout le peuple de Ouargla est sorti, oui. Pour dire... Encore une fois, c'est terminé. Et après après Ouargla, le négociateur français, chef des négociateurs, Louis Jox, ouais. A reconnu que les dés sont jetés et c'est fini. Donc, revenir au sujet, ce sont les atermoiements, la ruse. Un peu du général de Gaulle, qui a fait que on est arrivé à une situation, même ça, avec tous les sacrifices du peuple algérien dans toutes ses composantes. Malgré cela, le FLN, confiant en confiance au peuple algérien, le peuple algérien, lorsque de Gaulle, autodétermination. Comment se fait-il qu'un peuple qui combat depuis 7 ans et demi, qui a versé des fleuves de sang pour sa liberté et son indépendance, on lui demande de s'exprimer par la voie de l'autodétermination, par un vote. Est-ce qu'il est pour l'indépendance ou non? C'est quoi? C'est des manœuvres. C'est l'ultime. Donc, c'est le mépris. Donc, je dirais, donc d'un mépris à l'autre, d'un défi à l'autre, d'une lâcheté quelque part à l'autre, au lieu d'aller droit au but. On s'est dépensé énormément en entourloupettes, en atermoiements, en tergiversations et tout cela, mais pour arriver à De Gaulle, parce qu'il voulait faire de la France une puissance atomique, oui. Une puissance atomique, il n'a rien trouvé de mieux que de faire les essais nucléaires de la bombe atomique qui dépassait 4 fois, oui. La bombe d'Hiroshima. C'est ça. C'est des faits, oui. Je ne me trompe pas. Oui. Et il fait sa bombe atomique dans le Sahara algérien. Pour, bien sûr, montrer aux Américains que... Avec toutes les conséquences. Avec toutes les conséquences, tous les morts. Tous les morts. Déjà, oui. Les morts. Et pendant... Jusqu'à maintenant. Oui. Jusqu'à maintenant, les historiens, l'ensemble, mais la population de là-bas, toutes les personnes, les enfants, les femmes qui ont eu des traumatismes, des séquelles, oui. Des séquelles de ineffaçables, de radioactivité, cette bombe-là, et puis ensuite d'autres essais jusqu'à 1966, ont continué, et ils continuent à tuer jusqu'à maintenant. Et que jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de traitement
de traitement de ce dossier des essais nucléaires qui normalement doit conduire à des dommages, et intérêts de la part du colonialisme, de la France coloniale. J'aimerais terminer avec vous avec une question plus personnelle. Donc, en tant que Moudjahid, je sais que vous étiez marqué par la disparition de vos compagnons. Mais quelle est l'image qui vous a marqué jusqu'à aujourd'hui, donc d'un Shahid Il y en a tellement en réalité. Mais évidemment, le plus proche de moi, peut-être, je dirais en un mot, c'est le martyr de mon frère, mon propre frère, Mouloud, qui a été tué, tombé au champ d'honneur le 6 mars 1958 par un groupe de militaires français avec des goumiers, des harkis. Donc il a été assassiné devant sa mère, devant ses frères, devant toute la famille. Et lorsqu'il a agonisé, et que le lieutenant nous demandait si on avait un mulet pour le conduire à l'hôpital, le soigner, parce qu'on avait besoin de lui, c'est l'expression de ce lieutenant, lui, il avait levé le doigt avec un sourire, il a dit non, pas de soins, pas d'hôpital, moi je trouve mon compte. Moi je trouve mon compte, parce que j'ai pris le maquis pour combattre, pour la liberté, ou pour le sacrifice, pour la mort. La mort est venue la première, je l'accueille avec joie, et je sais que mes frères, je sais qu'ils iront vers la liberté. Ces images-là sont, mais les images, c'est ceux qui sont morts à la torture. Je me rappelle au casino de la Corniche, un jeune Mouloud, 19 ans, de Cuba. Je ne connais pas son nom de famille, Mouloud. À minuit, casino de la Corniche, il a été transformé en centre de torture atroce. Et moi, j'ai passé là-bas 15 jours, avant d'aller à Elbia. D'être conduit à Elbia. Transféré à Elbia, à minuit. On était 34 dans une salle qui ne pouvait pas prendre plus de 10. On est venu, on l'a pris, un bel homme, 19 ans. On l'a pris et on l'a conduit vers le rocher. C'était un casino. Pour le jeter à la mer à minuit, c'était le 15 ou 16 janvier 1959. Ce sont des images qui ne peuvent pas s'effacer, du sacrifice du peuple algérien. Gloire éternelle à nos chouada. Je tiens à vous remercier vivement, monsieur Aïssa Kassmi. Tu me permets, si je peux ajouter un mot. Oui, allez-y. Dans mon esprit, lorsque je dis « La yirham chouada »,« La yirham chouada », évidemment, je me rappelle de leur sacrifice. Et je ressens le devoir de transmettre leur sacrifice, de le préserver, de le perpétuer en le transmettant. J'ai écrit ce que j'ai pu écrire. Hommage aussi à ceux qui ont écrit leur témoignage sur la Révolution. Mais mon sentiment, mon désir, mon vœu le plus cher est que nous, aujourd'hui et demain, les générations qui viennent, ils sont là, nos jeunes, ils sont là. C'est de se rappeler que le shahid qui est mort, il est mort pour l'Algérie. Ces millions sont morts pour l'Algérie. Est un bijou que nous devons préserver dans l'endroit né. Mais nous devons aussi, il me semble, non seulement préserver leur mémoire, comme disait Dédouche Mourad, mais calquer notre comportement, notre attitude, notre vie de tous les jours, le travail qu'on fait pour construire notre pays, le calquer sur celui des Moudjahidines. Et préserver l'Algérie de toutes les... Des chouadas. Oui. Et pour construire l'Algérie. La première armée, la seule, c'est
l'arme de l'unité, l'unité du peuple, l'unité des Algériens, des femmes, des hommes, des enfants, des campagnes, des villes. C'est cette unité qui a fait que nous avons vaincu la quatrième puissance du monde. Je le dis de mes tripes, si on veut dire comme ça, parce que c'est ma croyance, c'est ma conviction. Encore une fois, gloire éternelle à nos martyrs. Je tiens à vous remercier vivement, M. Aïssa Qassmi, d'avoir répondu donc à notre invitation. Je vous remercie également de nous avoir accompagnés tout au long de cette émission. Cet hommage dédié à toutes les shahidas et à tous les shahides qui se sont sacrifiés pour que vive l'Algérie libre et indépendante. Je tiens à remercier l'équipe technique du studio 7 qui m'a accompagné dans la réalisation de cette émission. Excellente soirée et à bientôt.